PMU, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente Jour de Conf. Ils sont tous à ne surtout pas perdre, pas que celui-là. Voilà, on va pas. Je dis souvent, j'ai l'habitude de dire, il n'y a que 3 points en jeu. Après, on va pas aujourd'hui se mentir. C'est vrai qu'on est sûr de défaite. On se doit de réagir. On sait que c'est un match aussi qui est très important par rapport à nos supporters, tout ça. On va tout donner, on a envie de bien faire. Mais après, c'est un match où il n'y a que 3 points en jeu. Donc voilà, il faut rester, je pense, dans le même état d'esprit que Châteauroux, parce que tout n'était pas à jeter. Et si on garde cette même état d'esprit, qu'on arrive à avoir un peu plus de réussite offensive et défensive, et ben, je pense que le résultat sera autre que celui de Châteauroux. Bien sûr qu'il y a quand même une saveur particulière. On sait que très bien qu'entre guillemets, y a un peu une rivalité régionale, je dirais. Voilà. Après, comme je dis... Aujourd'hui, il ne faut pas focaliser que sur le derby ou en faire tout un pataquès. Il y a un match à gagner, ce qui est très très important, parce qu'aujourd'hui, on est, comme vous dites, sur 2 défaites et qu'il faut stopper cette spirale négative pour repartir de l'avant et simplement travailler, prendre le match au sérieux, c'est ce qu'on essaye de faire. Tous les matchs sont importants et à chaque match est un tournant. C'est un match particulier parce que c'est un derby. Et on joue aussi les derbys. Déjoue toutes les statistiques, il n'y a pas d'équipe en tête, d'équipe en dessous, c'est un match particulier, comme un match de Coupe de France, quoi, où l'enjeu peut prendre le pas sur le jeu, où on joue pour les points, mais on joue aussi pour nos supporters, et chacune des 2 équipes va vouloir jouer pour ses supporters. Donc il n'y a pas de drame, mais il y a une bonne excitation, une bonne tension. Qu'on aime avoir avant des matchs importants. C'est pas la première fois qu'on rencontre une équipe. On avait été dans ce contexte-là à Auxerre. On a déjà eu ces contextes-là à Nancy en début de saison, où on rencontre des équipes qui ont une grosse pression et qui ont besoin urgent de points. Après, chacun sa problématique. La nôtre, c'est de vite rebondir et de prendre des points. Et on s'occupe plutôt des conséquences pour nous que ceux de l'adversaire, avec tout le respect, et surtout pour Valenciennes, que l'on a.